Salut, c'est Pierre Dipérin pour une nouvelle vidéo présentation. Alors, chose promise, chose due, je vous ai parlé dans ma vidéo précédente que j'allais acquérir une nouvelle voiture. Donc voilà, je suis à son bord. Voilà, il s'agit d'une Renault 11 TXE de 1986. Voilà, donc là je me rends sur le lieu de présentation habituel. Je vais, pendant qu'on roule, je vais commencer par vous raconter son histoire. Parce qu'elle a une petite histoire. Donc c'est une voiture qui a été achetée. Je suis le troisième propriétaire. C'est une voiture qui a été achetée en 1986 par le premier propriétaire qui est décédé en 2008. Et c'est son collègue donc qui a récupéré cette voiture sans en avoir l'utilité. Donc voilà, elle est restée pendant 5 ans sans rouler dans un garage. Et il y a 5 ans, oui c'est ça. Et il y a 3 ans, voilà, enfin 2014. Ouais non, il y a 2 ans alors. Le deuxième propriétaire l'a redémarré parce qu'il devait déménager. Donc elle a très bien redémarré et le deuxième propriétaire fait du bénévolat à Madagascar et il voulait l'envoyer en fait à Madagascar en donation à un médecin voilà, pour qu'il puisse aller voir ses patients avec une bonne automobile. Donc malheureusement cette voiture coûtait trop cher en taxes là-bas. Il s'est renseigné voilà, pendant environ 2 ans, voilà, il a tout fait pour l'envoyer à Madagascar et donc il n'y est pas parvenu parce que c'était trop cher. Les frais d'envoi étaient trop chers et les taxes là-bas seraient trop chères. Donc finalement il s'est résolu à la vendre. Voilà, et je suis tombé sur l'annonce par hasard. Et si vous avez regardé la vidéo Ma passion pour l'automobile, vous verrez que la Renault 11 est la deuxième voiture dans mes voitures préférées. Alors allez voir la vidéo Ma passion pour l'automobile. Et il se trouve que c'est la Renault 11 d'ailleurs dans la vidéo, que c'est la Renault 11 qui est prise à côté de la 2 chevaux. La bleue que je disais qu'il était pas loin de chez mon collègue. Ce collègue en question, vous le connaissez, j'en parle aussi dans cette vidéo, c'est Lucas Volkswagen Power. Voilà, qui m'a aidé à la ramener, à la remettre en état. Oui, parce que comme c'est un véhicule qui n'a pas roulé depuis environ depuis 2008, hein, elle n'a pas beaucoup roulé. Voilà, elle a passé son contrôle technique, elle a eu quelques défauts, mais rien de bien méchant. Donc ce sera des petits tutos que je vous ferai sûrement. Voilà. Donc là, je ne vais pas tarder à vous la présenter. Bon, donc malheureusement, je n'ai pas pu me mettre à l'endroit habituel parce qu'on est en pleine saison de la chasse et qu'il y avait beaucoup de 4x4 garés à cet endroit-là. Donc voilà, bon, j'ai trouvé un autre petit coin tranquille où normalement il y a peu de circulation. Je suis au-dessus d'un petit village. Donc voilà, présentation de la nouvelle voiture. Voilà, une Renault 11 TXE de 1986. Couleur bleue, enfin, une voiture, ma couleur préférée. Voilà, j'en suis très content. C'est mon vieux rêve de gosse qui se réalise là. Même couleur que celle de mes grands-parents et même finition que celle de mes parents. Sauf en phase 1 avec la calandre 4 phares que je préfère. Ça me fait penser à la DeLorean de Retour vers le futur. Elle n'avait pas d'anti-brouillard, le propriétaire les a enlevés, je ne sais pas pourquoi.
peut-être parce qu'ils étaient cassés, je sais pas. Alors, comme c'était les mêmes que j'ai mis sur la deux chevaux, normalement ceux d'origine, j'avais une paire de rechange et du coup, je les ai remis. Il a quand même fallu que j'adapte les supports, mais ça a été facile à bricoler. Voilà, je vais vous montrer le capot, ou l'intérieur d'abord, ouais. Voilà, donc je l'ai depuis mercredi, mais avant de tourner la vidéo, j'ai préféré régler toutes les formalités avant, carte grise, assurance, etc. Donc voilà, elle a 142 000 km, donc elle a fait pas mal de kilomètres quand même. Même si c'est rien, elle a toujours été garée dans un garage. Mais voilà, elle a pas trop de soucis. Il y a juste les amortisseurs à changer, mais ça sera ma... je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et comme je sais pas de quand date la courroie de distribution, je pense que je vais la changer aussi. Voilà, faut juste que c'est pas sûr que je ferai un tuto là-dessus parce que comme je sais pas faire, il se peut que je sois aidé mon père, que je sois aidé de mon père, pardon, et que mon père n'ait pas très envie qu'on filme dans son garage. Voilà. Enfin, je sais pas, on verra. Voilà. Sinon, ce que j'ai fait dessus, j'ai réparé un peu des petits composants électriques, voilà, des faux contacts comme les plafonniers, par exemple. Voilà, ça c'est un lecteur de cartes. Enfin, les plafonniers. J'en ai même deux à l'arrière. Voilà, j'ai un plafond qui est nickel. Voilà, j'ai juste ça, c'est le détecteur infrarouge de la fermeture à clé. Oui, même en 1986, ça existait déjà la télécommande infrarouge. Qui marche en plus. Ah bah, je croyais qu'elle marchait plus. Bon, première nouvelle. Le souci, c'est que je l'utilise pas pour la simple et bonne raison que la portière conducteur ne marche pas. Normalement. Donc c'est pour ça que je préfère la manipuler tout le temps avec la clé. Ouais, bah maintenant elle marche bizarre. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère toujours manipuler avec la clé. Et bizarrement, cette télécommande s'est remise à marcher. J'ai même pas changé les piles encore pourtant. Même les portes arrière. Enfin voilà, sinon il y a le bouton là. Fermé, ouvert. Voilà. Donc bien équipé, la version TX. Le volant est celui que je voulais, c'est nickel. Voilà. Bon, alors c'est une voiture. Ça puait la clope, donc. Enfin, ça sentait que c'était une voiture de fumeur, et moi je crains un peu les odeurs de cigarette. Donc je me suis acheté un petit sapin pour camoufler l'odeur de cigarette. Voilà, sinon de beaux panneaux de porte, de beaux sièges, même pas abîmés, rien du tout. Voilà, j'ai installé l'autoradio quand même, c'est un minimum. Bon, pas ancienne, parce que j'écoute que des cartes SD, moi, mais... Enfin voilà. Et c'était la radio du berlingot. Voilà. Que j'ai récupéré. Donc voilà, et... J'avais le choix entre mettre la radio là ou là et de mettre un vide-poche ou ce logo Renault. Et bon, ben moi j'ai préféré garder le logo Renault. Enfin voilà. Et il y avait déjà des haut-parleurs dans les grilles. Voilà, bon, ben maintenant je vais vous montrer le moteur. Alors, enfin une voiture où je peux ouvrir le capot sans que la caméra me gêne. Bizarre. La deux chevaux, j'ai du mal. Le berlingot, je m'en souviens plus. Enfin voilà, c'est le moteur F2N de 82 chevaux. Voilà, pour l'instant, le moteur, j'ai pas fait quelque chose dessus, mais ce moteur-là, au moins, excusez-moi, le capot est à l'envers. Mais ce moteur-là, au moins, je peux le bricoler. La courroie de distribution est accessible, nickel. La courroie d'accessoires aussi. Mieux que le berlingot, c'est nickel, c'est ce que je voulais. Bon, malheureusement, c'est une essence.
Voilà, mais bon, l'essence, c'est pas plus mal, parce que contrairement au moteur diesel, tout ce qui a besoin d'un moteur essence, c'est de l'essence, d'une bougie, et c'est réglé. Et ça part. Et puis 82 chevaux, bon, elle consomme un tout petit peu, je pense. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore roulé assez pour dire si elle consomme beaucoup ou non. Mais bon, il paraît qu'elle consomme surtout en ville et qu'elle reste raisonnable quand même sur les routes et les autoroutes. Donc, je pense pour si je fais que de la ville, je prendrai que la 2 chevaux. Elle est économique en ville, la 2 chevaux. Donc, voilà. Voilà, la batterie avec une cosse. Va peut-être falloir que je change la cosse parce que ça prend l'eau et peut-être mieux la protéger que ça. Voilà. Donc, voilà. Et je pense à venir prochainement, remplacement des amortisseurs avant. Et peut-être la courroie de distribution. Je vais faire une vidange, changer le filtre à air. Et puis, ça aussi, il faut que je voie avec mon père, faire une vidange de circuit de refroidissement. Parce qu'elle n'a pas été faite depuis, va aller savoir quand. Enfin, si ça n'a pas été fait depuis 2008, il serait peut-être temps de la faire. Voilà, j'ai remis un peu de lave-glace, il n'y en avait plus. Enfin, voilà, c'est le F2N de 82 chevaux, 7 chevaux fiscaux. Avec le capot qui s'ouvre à l'envers. Typique Renault depuis la 4L. Jusqu'à la Kangoo, je crois. Jusqu'à la Kangoo 1. Voilà. Alors je suis désolé pour les fans de 2 chevaux. Mais je ne suis pas qu'un citroëniste. C'est vrai que c'est la première fois que je n'achète pas Citroën. Mais je ne suis pas un citroëniste. J'aime aussi les marques Renault et Peugeot. Anciennes. Voilà, je vais vous montrer le coffre. Bon, il n'y a rien de spécial dedans, mais juste pour vous montrer qu'il y a quand même un gros coffre pour une compacte. Et c'est un haillon. En plus, c'est même pas un coffre, c'est un haillon. Ah, génial. Pour la vidéo, tu t'es pas décroché. Oui, j'ai cette ficelle qui se décroche à chaque fois, mais bon. Voilà. Génial. Il y a une boîte en fer et ma casquette de chantier que j'ai laissée dedans. Bon, c'est pas grave, je les remettrai plus tard. Voilà. Et il y a le chien de garde. Je l'ai reçu ce matin. Voilà, le chien de garde. J'ai un essuie-glace arrière. C'était pas courant à l'époque. Renault préfère Elf, même si elle était entretenue chez Total quand même. J'ai une étiquette Total sous le capot, je sais pas si vous l'avez vu, une étiquette de vidange. Va falloir que je recolle quelques particules là, ça et ça, la baguette du pare-choc. Voilà, et puis il y a un truc à faire, va peut-être falloir refaire la ligne d'échappement parce que elle est légèrement abîmée là. Enfin bon. On verra ça pour l'instant. Elle est passée au contrôle technique avec ça, donc. Il y a juste une remarque, c'est tout. Sinon, ça va, elle n'est pas trop bruyante. Ou alors, elle est très bien insonorisée pour une voiture des années 80. Alors, j'ai fait une connerie. J'aurais dû en profiter pendant que le capot est ouvert. J'aurais dû vous démarrer le moteur. Alors, je vais vous rouvrir le capot et démarrer le moteur. Pour les clés, elles sont petites les clés, moi je trouve. Hein. Et je pense que la clé des portes, je pense que c'était une clé Renault, vous savez, avec la forme du losange de l'époque. Mais je sais pas, il a dû la perdre parce que le proprio m'a filé que cette clé-là et il n'y avait même pas de double avec. Voilà, le bruit Renault des années 80.
Elle broute un tout petit peu, mais rien de bien méchant. Oh, j'adore le bruit particulier qu'avaient les Renault à l'époque. Enfin voilà. Ah oui, j'ai même les vitres électriques. La version Texa, les vitres électriques. Je trouve juste qu'elles descendent un peu trop lentement. Et encore là, ça va un peu mieux. Fais voir l'autre. Voilà, après, dites-moi si c'est normal ou si je dois m'inquiéter de la lenteur, voilà, de la remontée par exemple. S'il y a des gens qui ont des Renault Stix à vitre électrique. Voilà, sinon, un de ces quatre, je démonterai peut-être le panneau de porte pour graisser les serrures et tout ça. J'ai déjà graissé ça parce que j'avais certaines portes qui fermaient mal à cause de ça. Fallait juste les graisser. Mais voilà. Voilà. Voilà, même les sièges arrière sont nickel. Bon, faites pas attention à ça, c'est ma mallette pour trimballer ma caméra. Ils sont un petit peu pliés, mais ils sont nickel. J'ai pas encore mis de tapis, il va falloir que j'en mette quand même parce que il est nickel le sol aussi. La plage arrière, faudra peut-être que je la renforce aussi. J'ai oublié de vous le dire, mais bon. Ouais, j'ai les plafonnières en arrière qui fonctionnent seulement quand on ouvre les portes avant. Bon, pas grave. C'est pas grave, c'est qu'un détail ça. Et je pensais pas que celles de mes grands-parents, il me semblait qu'elles avaient pas les ceintures en rouleur, elles avaient les ceintures réglables. Et celles de mes parents, je m'en souviens plus. Mais j'ai des ceintures réglables dans les années 80. Je pense qu'il n'y a que les haut de gamme qui avaient les ceintures en rouleur à l'arrière. Hein. Par contre, pour attacher le passager du milieu, je sais qu'il y a une technique, il faut en dérouler un des côtés à fond, le crocheter avec l'autre ceinture quand il y a trois personnes à l'arrière et attacher la première. Normalement, ça devrait suffire. Voilà, c'est un conseil pour les néo-rétro qui savent pas comment attacher, s'attacher. Voilà, et donc elle remplace mon berlingot. Voilà, je me sépare de mon utilitaire. Qui m'avait bien servi et voilà, malheureusement, c'était une occasion que je pouvais pas rater ça. Surtout au prix où je l'ai acheté. Alors à mon avis, avant que ça monte, que la cote monte des Renault 11, même si ce sont des modèles très rares, donc niveau pièces moteur, je pense pas que je vais avoir trop de soucis, mais c'est surtout niveau pièces carrosserie que je risque d'avoir des soucis avec. Voilà. Ouais, elles ont disparu trop vite dans les années 2000, les Renault 11. Et en même temps, c'est vrai qu'elles n'ont pas été produites très longtemps, hein. De 1983 à 1988, je crois. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Bon, ben voilà pour la Renault 11. Et vous inquiétez pas pour la 2 chevaux, elle ne sera pas délaissée. Voilà, celle-là va plus me servir pour le boulot ou pour les longs trajets sur autoroute ou nationale ou. Enfin voilà, et la 2 chevaux, c'est vrai qu'elle va plus me servir maintenant pour les petites routes. Enfin, elle roulera quand même de temps en temps aussi, mais vous inquiétez pas, la Renault 11, à mon avis, elle servira plus pour le boulot. Pour l'instant, je travaille pas, donc c'est pour ça que j'en profite pour la remettre un peu en état, pour la retaper un tout petit peu. Enfin, je vous donnerai des nouvelles de cette voiture. Et le berlingot, il est à vendre. S'il vous intéresse, je mettrai, si ça vous intéresse, le lien de l'annonce dans la description de la vidéo. Enfin voilà. Bon, allez, petit bonus, je vais vous mettre une petite balade quand même
dans cette fabuleuse Renault TX. Excellente tenue de route en tout cas, il n'y a pas à se plaindre. On sent bien les 82 chevaux. Thank you.
Bon bah voilà, donc je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à plus. Bye bye!